à tous, bonjour à tous, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour la suite de la série The Resident Evil Rebirth. Et on s'est arrêté au nouvel endroit qu'on va vite découvrir. Je vais vous mettre la carte, la résidence. Et on va y rester hein, pendant un petit moment. Donc voilà, précédemment on était dans la cour, on a affronté aucun zombie dans la précédente vidéo. Et voilà, donc là il y a un tas d'herbes bleues mais on va pas s'en servir pour l'instant. Ouais, vas-y, on va prendre le maximum d'herbes bleues. Voilà. Ça, c'est fait au moins. Voilà, tabernacle, comme le dirait Bernacle. Et là, on va découvrir ce lieu fort sympathique, comme vous pouvez le voir déjà. Un newfie, c'est fort sympathique. Et donc là on arrive dans une salle de sauvegarde. Donc là on ramasse le lot de piles. C'est génial, dès que j'utilise un lot de piles, j'en ramasse beaucoup. Donc là il y a un coffre. Donc là on va le coffrer le coffre. On va mettre le magnum. Oui, parce que pour l'instant il me semble pas trop utile. Ah, pour l'instant j'utilise pas beaucoup les grosses armes. On va prendre surtout les soins, voilà, les comme ça, les mélanges d'herbes comme ça. Parce que, voilà. On va se faire un mélange ultime. Voilà, examiner. Mélange d'herbes rouges, bleues et vertes. Ah, j'ai examiné les herbes rouges. J'ai dit, j'ai examiné les herbes rouges. Une herbe qui pousse naturellement dans cette région. Et je devine qu'il met la même chose. Une herbe qui pousse, ouais. Donc voilà, mélange ultime numéro 1. Newfie ultime numéro 2. Donc là j'en ai... Ah ben j'en ai pas mal en plus hein. Ah donc là j'ai de quoi me faire plein de mélanges. Putain, je crois que la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'avais pas autant de mélanges ultimes. Hein. Ni autant de soins là, faut pas déconner là, je suis pro là. Je rush hein. Donc voilà. Donc là, les mélanges ultimes, ça nous permettra en gros de soigner entièrement notre santé et de nous guérir du poison. En gros, c'est super pratique. Donc là, voilà, je vais les poser et je vais prendre le truc qui reste parce que je vais le mélanger avec une herbe bleue qui restait encore de l'autre côté. Voilà, pour l'instant je vais te reposer. Et toi tu m'as pissé dessus là, oui j'ai un rat, tu m'as pissé dessus le rat. Qu'est-ce qu'il y avait ça? Là il y a des rubans encreurs, encore, oui. Il y a un spray, décidément niveau soin ça va hein. Ouais, pour l'instant ça va, hein. Ils sont généreux là. Hein. Donc voilà, on va y retourner hein, juste après. Je vais reposer quelques trucs. Donc là, on va ramasser l'herbe bleue. Quoi? Une bombe de pesticides pour des fleurs, apparemment elle est vide. Une bombe de... Ouais. Mais moi je voulais l'herbe bleue. Ouais, c'est angoissant la musique hein, derrière. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va te buter. Et toi là, tu te calmes. Ouais, donc là on va combien. Oui, je pourrais encore faire 15 sauvegardes. Donc la manivelle. Ah, vu qu'elle va pas nous être utile pour l'instant, on va l'abandonner. On va l'abandonner. Et qu'est-ce que je pourrais prendre? Wesh. Ouais, je prends le fusil ou le lance-grenade? Pour au cas où. Allez savoir. On va prendre le fusil au cas où. Oui, si vraiment il y a des ennemis forts qu'on croise. Hein. Ah oui. Au cas où. Hein. Ah ouais. Allez, on va commencer bien l'exploration. Donc ici, c'est verrouillé, le chiffre 001 est inscrit sur la plaque de la porte. Donc il va falloir trouver la clé 001.
Donc ici, pour l'instant, on y va. Le petit trou que vous avez vu, vous le sentez gros comme une maison, ça sent l'arnaque. Donc là, on va d'abord aller dans cette salle-là. Et on va rencontrer encore un nouveau type d'ennemi, mais oui. Les voilà. Et on va prendre les fusils contre eux. Eh oui, j'avais prévu en fait. Hein. C'est les araignées géantes. Ah oui, contrôle fusil, hein. Déconne pas. Donc ces merdes peuvent nous empoisonner et nous faire mal. Voilà. Ça c'est fait. Et donc contrôle c'est le fusil, hein. Je déconne pas. Et donc voilà. Ici, oh il y a une herbe verte que je vais pouvoir combiner avec l'herbe rouge qui me traîne dans l'autre coin. Donc voilà. Ouais, elle pisse des trucs. Je crois que dans celui-là, elles peuvent pas engendrer des petites araignées. Mais je suis pas sûr. Ouais, donc là, elle se décompose, vous allez voir. C'est horrible. Elle bouge encore un peu, ouais. Donc ça, c'est un nouveau type d'ennemi qu'on rencontrera dans cette zone, hein, principalement, puis dans d'autres zones. Une veste en cuir. Était particulièrement brûlée par de l'acide. Une cloison est décolorée d'assiette. Toutes les anecdotes qu'elle nous donne, Jill. Une publicité pour un tournoi de bras de fer. Le gagnant sera nommé chef de la police de Raccoon pour la journée. Ah ouais, carrément. Oh, punaise, celui-là m'intéresse par contre. Hein. Pas de commentaire. Oh, dès que c'est un truc intéressant, pas de commentaire. Donc là, des piques de billard. 2, 3, 4, 5, 6. L'ordre semble n'avoir aucune importance, mais... Mais. Donc là, vous le remarquez. Un étui à guitare. Il est vide. Vous l'aurez remarqué, il y a une putain d'araignée. Donc, contre les putains d'araignées, il y a que le fusil à pompe qui gagne. Vas-y, je vais avoir la putain d'araignée là-bas. On va au moins faire ça fier là. Eh oh. J'ai dit, eh oh. Hey ho. Ah bah du fusil, des munitions de fusil. Quel hasard. Des bouteilles de vin vides sont éparpillées dans la pièce. Et donc là on récupère une trousse de premier secours. Et on va ouvrir la trousse de premier secours. Ta-na-na-na. Un mélange d'herbes vertes et bleues se trouvait à l'intérieur. Ah bah je vais pouvoir le mélanger avec l'herbe rouge, tout compte fait. Ah donc l'autre truc je vais le mélanger avec autre chose. Et là on obtient le livre rouge. Voilà. Putain on obtient plein de trucs, oui je sais. Hein. Putain les araignées gardez ça. Donc le livre rouge, bon on va l'examiner. Un livre à la couverture rouge. On l'examine derrière. Allez ouais, c'est pas ça. On va essayer de l'ouvrir. Voilà. Oh putain. Le livre à la couverture rouge, les pages sont vierges. A-t-il un usage particulier? Telle est la question. Pour l'instant, ce livre rouge, on va le reposer. Voilà, on va ramasser l'herbe. Et je crois que je vais devoir chercher un autre objet pour pouvoir revenir. Oui, parce que je crois que je l'ai... Ouais, j'avais... Ah non, pas huile rouge, elle est éteinte. Et donc là, va falloir chercher le briquet. Et il va falloir chercher le briquet. Vous allez voir pourquoi il va nous être utile, le briquet. Parce qu'il va falloir allumer les petits trucs, là. Eh putain, mais Jill se fout de ma gueule. Jill se fout de ma gueule. Je répète, Jill se fout de ma gueule. Rill. Rel se fout de ma gueule. C'est Rel. C'est un joli nom pour une femme. Toucou. Il reste encore plein de kérosène. Donc là, comme vous avez pu le voir avant, je ne l'avais pas souligné, mais il y a un truc de kérosène pour cramer le cadavre. Donc généralement, quand il y a ce truc dans le coin, ça veut dire que tu vas croiser du zombie. Même si pour l'instant, on n'en a pas encore croisé non plus dans cette vidéo, mais bon. Attends, je vais faire un mélange là. Oui, je suis complètement taré, oui, vous avez raison, Richard. De toute façon,
Même Jean-Pierre Foucault est vierge. Mais oui, parfaitement. Vierge. Attends, je vais faire un petit mélange. Un petit mélange. Non, je suis pas fou. Je suis Fox. Terrible. Donc là, on va reposer cette herbe, ce mélange. Top, voilà. Et maintenant, on y retourne. Je vais reprendre le flingue, quand même. Ah merde, d'abord le briquet, quel con. Si je retourne sans le briquet, c'est sûr que je vais bien avancer dans la vidéo. Et il va falloir le briquet, là. Parce qu'il va falloir allumer le feu, comme Johnny. Va falloir allumer le feu. Allumer le feu! Allumer le feu! Tuk 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 tuk. Et donc là, va falloir allumer les trucs. Ouais, je suis crevé, non. Donc là, on va allumer d'abord ce truc. Il y en a trois dans la salle. Une étrange silhouette se dessine dans la lumière. Rougeâtre. Est-ce que cela signifie quelque chose? Pas de question. Mais j'allume déjà les trucs, mais ça va nous servir pour plus tard, pas pour tout de suite. Sûrement peut-être même pas dans cette vidéo, c'est pour venir. Donc là, on va allumer ce truc aussi. Tada! Boum! Un œil, toujours un œil. Étrange silhouette, est-ce que ça signifie quelque chose? Et on va allumer celui d'en haut. Si chaud, comme le dirais-je, si chaud. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Donc là, on va allumer ça. Voilà, encore un œil, une étrange silhouette se dessine. Est-ce que ça signifie quelque chose? Vous avez remarqué que la couleur nous rappelle les trucs de boule de billard. Souvenez-vous-en, je vous le dis, je vous le conseille, je vous le dis très fort, c'était important, c'est important, c'est important. Bon, ça c'est fait, maintenant on va pousser cette caisse. Mais d'abord je vais vous montrer pourquoi il va falloir la pousser. Voilà, je vais tester. Vous allez voir. Donc voilà, il y a une tentacule qui nous agresse. Donc voilà pourquoi faut pousser la caisse. Ouais, c'est ouais, évidemment Jill, elle peut pas sauter cette conne. Hein. Ni grimper le truc, alors elle pourrait. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ce truc nous fait mal. Je m'en rappelais plus, hein. Je pensais qu'il nous faisait pas autant de dégâts, mais bon. Donc voilà, j'ai déjà perdu pas mal de points de vie, mais bon. Ah oui, je me rappelle. Donc là, va falloir le pousser sur l'autre petit trou, là. Voilà, on va le pousser là. Je dis qu'on va le pousser là, Jill. Non, Jill, pas là. Là. Oui, Jill un peu conne, donc voilà. On va le pousser, vous voyez, il y a deux trous. Donc vous devinez que si on le pousse sur l'autre truc, il va nous choper quand même avec le tentacule. Si on pousse sur l'autre trou. Alors que là, il nous chope pas. Et donc là, on peut passer tranquillement au-dessus. Voilà, tactique de ouf. Et donc voilà. Normalement à partir de là, ça devrait sauvegarder l'emplacement de la caisse. J'espère, parce que je veux pas encore perdre des points de vie. Y a rien d'intéressant. Merci de me le dire. Ça nous a été très utile maintenant. Il y a des journaux qui traînent, ils parlent tous des stars. Oh tiens, dis donc. C'est incroyable. Il y a des journaux qui traînent, ils parlent tous des stars.
C'est verrouillé. La plaque de la porte indique galerie. Donc faut la clé galerie pour y aller. Super. Donc voilà. Donc là on va fouiller déjà cet endroit là, ce coin. Et on va ramasser le plan. Il y a le plan résidence, le prendre. Donc voilà, la résidence. Oui. Elle est pas grande, mais on va y aller dehors un petit moment. Vous avez pris le plan. Il y a un trou dans le mur. Vous voyez une gigantesque ruche. Sympathique. Donc là, on se fait agresser par des guêpes. Donc on va se casser. Ah oui, je vous l'ai, on va se casser. Donc on va prendre cette porte. Et tada! But it's not necessary to destroy stars. What about my family? Donc là on a entendu Barry, il a l'air chelou. Donc nous on va se casser parce que les gars nous ont pas attaqué pendant la cinématique, c'est logique. Oui, Barry, le retour. Je sais pas ce qu'il fait en dehors du manoir, mais bah, il a intérêt à me trouver une bonne excuse là. Parce que je l'ai cherché partout. Jill. C'est con. Barry, I heard someone talking. Oh, nerd. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? C'est un traître! I'm getting worried, aren't I? C'est un con! I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry. I'm just going to get some fresh air. Ouais, c'est ça. Lucky I'll get to waste some monsters along the way. Tu veux qu'elle commence pour te défouler, hein? Ça, je vais pas trop voir avant 300 vidéos, hein. Bon, ça va, il m'a pas ressorti l'excuse de la salle à manger, parce que sinon, là, j'aurais pété un câble. Donc là, on a vu Barry qui a l'air de parler tout seul. Mon cul, il parlait avec quelqu'un, mais qui? Alors, part sur la plante 42. 4 jours se sont écoulés depuis l'accident. La plante 42 a connu une croissance fulgurante. Bien que l'on sache peu de choses sur cette plante, on peut dire que le virus T a eu sur elle un effet beaucoup plus important que sur les autres groupes de plantes. Le virus T a totalement transformé l'anatomie et la taille de son hôte. Compte tenu de son état naturel, il est difficile de savoir de quelle sorte de plante il s'agissait à l'origine. On trouve rien de semblable dans la nature. La plante 42 se nourrit de deux façons. La première source alimentaire provient de ses racines, qui vont jusqu'au sous-sol. Immédiatement après l'accident, l'un des scientifiques a perdu la tête et a détruit le bassin circulaire. Maintenant, le sous-sol est inondé. Il y a de grandes chances pour que l'eau ait contenu une substance chimique à provoquer la formidable croissance de la plante 42. Nous devons cependant déterminer de quel composant il s'agissait. Une sorte de bulbe, le corps de la plante 42, pend au plafond du rez-de-chaussée. Il ne fait aucun doute qu'elle a atteint le rez-de-chaussée par les conduits d'aération. De longues liades ressemblent à des tentacules partent du bulbe. Nous pensons que ces liens constituent la seconde méthode d'alimentation de la plante. Lorsque la plante 42 détecte une proie, il la capture à l'aide de ses tentacules. Ensuite, les ventouses de sa liane sucent le sang de la proie. Nous nous sommes également aperçus qu'elle est douée d'une forme d'intelligence. Elle enchevêtre ses lianes autour de la porte pour empêcher toute intrusion lorsqu'elle capture une proie ou qu'elle est en période d'inactivité. Malheureusement, plusieurs scientifiques ont été tués par la plante 42. Quel désastre! Les survivants racontent tous la même chose. Lorsqu'ils pètent l'uniforme qu'elle recouvre s'ouvre et révèle les organes vitaux, la plante devient encore plus agressive. Un témoin a raconté qu'elle semblait essayer de se protéger. Nous ne savons toujours pas à quoi est dû ce comportement. Le 21 mai 1998, Henri Sarton. Donc là, vous devinez que la plante 42, on va se la faire à un moment donné. Oh oui, hein, quand on a ce genre de mémo sur un boss assez chelou, on va l'affronter. Il y a de vieux journaux et magazines sur le lit. On dirait que quelqu'un a vomi du sang sur certains journaux. Sympathique. Il n'y a rien de spécial. Donc là, il y a des armoires. On peut pousser. Donc on les poussera, mais ce sera dans une autre vidéo.
Je vous le dis déjà. Voilà, je vous le dis déjà. Donc là, on va s'y aller dans cette salle. Puis on va s'arrêter, je vous le dis. On va s'arrêter après. Donc là, on est dans une salle de bain. Rien de plus normal. Clé de la résidence. On examine. Rien d'inhabituel. Elle porte le numéro 001. Eh, ça vous rappelle quelque chose? Ah ben, on l'utilisera dans la prochaine vidéo. Les vieilles gouttes, le joint est peut-être rompu. Le joint, ça me rappelle quelque chose. Oh putain, un zombie! Ah, c'était ça le bruit de porte que j'ai entendu s'ouvrir? Donc là, un zombie est rentré. Donc nous, on va le laisser. Hein. Salut, zombie! Donc voilà, premier zombie de la vidéo. Juste à la fin. Ouais, parce que vous avez sûrement entendu, pendant que je parlais, il y avait un petit bruit. Enfin, c'était lui. Eh bah oui, il va tuer quelqu'un commence dehors, mais il pourrait tuer les monstres qui croient sur le chemin, parce que le zombie, je sais pas d'où il venait, mais il a dû sûrement le croiser. Il y a que des portes verrouillées. Les guêpes aussi ont dû le croiser. Ouais, elles sont toujours là, les guêpes, hein. Oui, elles réapparaîtront à chaque fois. C'est chiant. Donc là, on va retourner au truc, et on va sauvegarder, et puis on s'arrête. Là, pour l'instant. Et ensuite, on continuera les autres solutions. Genre les experts, et ensuite, on finira Catherine. Oui, on le finira. Voilà. La caisse est maintenant elle va rester là pour durant tout le moment. La caisse. Vous voyez, c'est bon, alors position. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. On a vu un petit zombie quand même à la fin. Je suis heureux. Ouais, on a enfin croisé un zombie. Et donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et ciao les gens. Barry il est louche. Barry il est louche, il est louche.